Bonjour à tous et bienvenue à cette page Croire et comprendre, page destinée à vous aider et à vous accompagner dans l'approfondissement de certains thèmes liés à la foi et à la vie de foi. Aujourd'hui, je voudrais aborder le thème de la prière pour les défunts, la prière qui fait souvent objet de discussions et de débats entre les chrétiens et les non-chrétiens, parce que certains estiment qu'il ne sert à rien de prier pour les défunts. Et d'autres pensent que c'est le moment d'intensifier les prières pour que l'âme du défunt repose dans la paix de Dieu. Commençons par interroger la Bible sur cette question pour que nous puissions en être éclairés. Alors, dans l'Ancien Testament, nous avons cette belle histoire du deuxième livre des Maccabées, au chapitre 12, où un certain Judas, mu par la foi en la résurrection, organise une collecte des fonds afin d'offrir un sacrifice dans le temple de Jérusalem en la faveur des soldats morts en guerre. Le texte précise que c'était une belle et noble action inspirée par la pensée de la résurrection. La prière pour les défunts est donc d'abord une expression de notre foi et notre espérance en la résurrection. Nous croyons que les morts ne sont pas morts. Et donc, ils peuvent toujours bénéficier de notre appui et de notre affection, non plus matériellement, mais spirituellement. Nous continuons notre parcours biblique avec le Nouveau Testament cette fois-ci. Nous nous arrêtons sur deux scènes semblables et très significatives dans les évangiles, celle du retour à la vie de la fille de Jaïr et de Lazare de Béthanie. Dans les deux histoires, il y a comme un signe de désespoir exprimé d'une part par le messager qui vient dire à Jaïr, ta fille est morte, ne te dérange plus. Et d'autre part, par la sœur de Lazare qui dit à Jésus, si tu avais été la maître, mon frère ne serait pas mort. Pour les deux cas de figure, on estime qu'après la mort, plus rien n'est possible. Attitude qui rejoint évidemment celle de nombreuses personnes aujourd'hui qui estiment qu'après la mort, il ne sert plus à rien de prier et d'intercéder pour la personne défunte. Mais Jésus redonne la vie à cette jeune fille, tout comme à Lazare, comme pour nous rassurer, pour nous ragaillardir, pour nous dire que tout est encore possible pour Dieu. Même après cet instant dramatique qu'est la mort, la vie que le Christ redonne à ses morts est juste un signe qui annonce la véritable vie à laquelle nous participerons grâce au Christ après notre mort. Jésus montre dans le Nouveau Testament que la prière pour nos frères défunts a toute sa place parce que malgré la mort qui nous sépare désormais, nous ne perdons pas notre foi en la résurrection de la chair, notre espérance d'obtenir de Dieu le pardon et la paix, et notre amour vis-à-vis de nos frères et sœurs qui ont vécu avec nous. N'hésitez donc pas à penser à vos frères et sœurs défunts. Dans la prière, c'est la meilleure des choses que nous puissions leur offrir. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Partagez-le au maximum et abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer vos prochaines publications.